C'est l'heure d'accueillir nos invités ici même sur ce plateau pour parler comédie avec Stéphane Ropa, dit Zef, et Saverino Maligno, dit Parrain. J'espère que je n'ai pas écorché vos noms. C'est Saverio. Saverio. Saverio, pardon. Ah bah super, c'est merci. C'est pas grave, Idil. Moi j'ai reconnu votre prénom. Hello. Hello. Idil, elle remember. Hein. Idil, elle parle anglais, acheteur. Bah acheteur, elle passe à la télé tout le temps. Alors, acheteur, je parle anglais. Hein. Chichetige. Enlève tes lunettes, chou. Ah. Alors, pas de colis. En tout cas, alors, les lunettes, le béret, pour nous parler de Bucalporte. Chicha. C'est votre comédie. Chicha. C'est votre pièce de théâtre, très exactement. Ça se passe du côté de la Comédie de Lille, c'est rue Solferino, avec un spectacle ch'ti, bien évidemment, on l'aura compris. Vous serez ce samedi, le 31 janvier, très exactement, sur la scène de la Comédie de Lille. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des sketchs. Mise la regarde. Pareil, amoureux. Hein. Idil, avant de vous le dire, en fait, pareil, quand j'apprends une chatte femme. Ouais. Je l'ai vu dans ses yeux tout à l'heure. Cathy vous a vu. Dents, des belles lèvres, des beaux ongles, des beaux yeux. Cathy vous a vu, c'est comme une flèche qui est prise dans sa cœur. Raconte le spectacle. Alors, Bucalporte, c'est très simple. C'est l'histoire des cités ouvrières du nord de la France, du Nord-Pas-de-Calais. Il y a des confettis. Il y a des confettis, il y a fait le fête, il y a des sketchs, tout ça. Il y a 5 personnages. Il y a Para, il y a Joseph, il y a ma tante, il y a cousine, il y a grand-mère. Il y a Tchaufrère qui joue de l'accordéon. Voilà, c'est comme une guinguette. Harry, comme une communion. Voilà, je fais du bass à cœur, je sais pas cœur, et je peux rapporter gros. Et je tiens à préciser, ici, comme un indirect, pour 1 euro de plus, il dit, écoutez bien, pour vous, c'est gratuit. Pour 1 euro de plus, alpha du spectacle. Pour 1 euro, je sais pas cœur. Eh ben, para, il fait un striptease. Non, c'est pas vrai. Mais si, il fait un striptease. Non, je sais pas, le spectacle, c'est pas vrai du tout. Non, si, c'est vrai, mais c'est quoi, c'est la surprise, parrain? C'est un show privé. Ben, c'est du direct. Chose pas sa loge. Il me prend au dépourvu, là, mais j'ai pas prévu le show. Hein. Mais si, pour le faire, je le ferai avec vous autres. Alors, Idil, vous venez quand vous voulez. Voilà. Vous pourrez venir sur le plateau. Vous êtes un invité VIP. Voilà. Super. VIP ch'ti, en tout cas. C'est 5 personnages sur scène. Un accordéoniste. Il s'appelle Tchaufrère. Chaufrère. Alors il y aura de la musique, des sketchs, de l'humour, une interactivité avec le public aussi. Exactement. À l'accueil avec Para, fait les Stipendels, c'est-à-dire qu'on accueille chez Jean, etc. Année première partie, il y a rigolé avec eux, avec les cœurs dans le hall. A fait des chats de cafouniette, tout ça, a fait des olé, un olé, comme voilà, ça de foot. Et puis ensuite, chez 1h05, 1h10, c'est de fou rire, garanti, j'ai des shows sketchs autour d'un palier de porte, un via buquet. Je te rends la télé, elle porte en direct. Je te fais signe, Para. Elle porte, elle sauf. Et puis après, voilà, il y a un sketch qui se passe, voilà, comique de situation, parfois du conflit, un bah, dire du mal, du bien, tout ça. À rigole, quoi. À rigole pendant voilà, à s'amuse. Comique de situation, il y a un petit peu d'impro quand même. Ah, nous on improvise, hein. Nous on improvise tout le temps, un acquerchot, ça fait quoi notre cœur. Voilà, et puis que dire d'autre. Il y a un cachot, à la fin il y a un cachot. Il y a un moment où elle brède le spectacle, où elle sort les Kleenex. J'ai de l'émotion, j'ai de l'émotion. Aussi comme spectacle. Hein, parce qu'elle a beau être des rigolos, elle fait aussi de la poésie. Ouais, c'est vrai. Elle fait brère chez Jean. Dire aussi que j'ai un spectacle, bon, pas par les temps qui courent, ça fait du bien à sa cœur, quoi. Ouais. Enfin voilà, c'est agréable, quoi. Un aide des médicaments, j'ai un remède. C'est ça. J'ai exactement ça, des médicaments. Et que dire d'autre? Il est vraiment sur votre charme, Para. J'ai jamais vu comme ça, Idil. Jamais. C'est le premier coup. Incroyable. Bah ouais. Ah non, si, en direct. Je vous avoue que je suis aussi un petit peu impressionné. Bah, j'ai pas l'habitude, mais en tout cas, ça met de la vie sur le plateau. Et j'ai le cravate de sabbatème. Mais j'ai quoi? Mais quoi, en tout cas, vous faites brère, vous faites pleurer, vous faites rire. C'est ça. Ça s'appelle Bucalporte, frappe à la porte, toque à la porte. Mais ça va aller par, hein, vous inquiétez pas. Ah, vous les reprenez. Allez-y. J'ai fait des économies, j'ai la crise, hein, Heidi, là. Oh. Je vous en prie. Alors, Bucalporte, ça se passe donc ce samedi, le 31 janvier. J'ai quoi votre numéro de téléphone pour parler? Alors, on verra ça après. Je vous donne le sien, 06 15 55 06. Non, arrête de dire mes numéros. Laisse-la terminer, tu vois, t'as le travail. Alors, Stéphane et Saverino. Saverio. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à samedi, donc à la comédie de Lille. Ça se passe rue Solferino. C'est ça, 20h. We are the one for me, for me, for me, formidable.